Wesh tout le monde, c'est Sramba d'aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Top 5 de vos clips que vous m'avez envoyé précédemment. Enfin bref, j'avais fait la vidéo du top 5. Du coup, j'ai pris. Enfin, du coup, c'est mon cousin qui a trié pour vous. Et après les 5 meilleurs clips, d'ailleurs, grosse dédicace à lui. Sa chaîne, elle s'affiche actuellement à l'écran. C'est un Creative Warrior, il fait du bullfight, etc. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner à sa chaîne, c'est la famille. Bref, moi je me sentais pas de trier tous les clips, etc. Donc il a fait pour moi. Je préviens d'avance, ceux qui avaient envoyé des bêtes de clips mais qu'ils étaient sur Twitter, je vous ai pas pris parce que la qualité elle était dégueulasse. Donc malheureusement, les meilleurs clips, j'ai dû les delete et j'ai pris 5 clips qui étaient upload sur YouTube en bonne qualité, etc. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage et on se dit à dans tout de suite. Charlie always here, but don't ever listen. Charlie thought I was a chef the way I'm in the kitchen. She gon' think about me when a nigga missing. Stars on the rave. Ah ouais, au fait, un grand merci pour vos retours, enfin à vous, pour vos retours sur la vidéo de mon anniversaire. C'est clairement le meilleur cadeau d'anniversaire qu'on ait pu me faire. Vraiment, la vidéo, elle arrive en top 4 des tendances. Donc j'étais au-dessus de, enfin j'étais à côté de Squeezie, le Bouzeux, Pierre Cross, etc. Un truc de malade. On a atteint les 40 000 likes. On a fait 300 000 vues en 24 heures. C'est un truc de malade. À l'heure actuelle, la vidéo, elle doit être à 400 000 vues. Enfin bref, c'est un truc de fou. Donc je suis super content que mon premier vlog vous a plu. Donc la voix est libre. Si jamais je veux en faire un nouveau, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. C'était la petite parenthèse, les petits remerciements, etc. Merci, 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 mille merci à vous les frères. Et aussi, précision, sur ce top 5, le gagnant va rien gagner si ce n'est de la visibilité, donc je l'espère. Le prochain top 5, celui qui va faire top 1 à la prochaine vidéo top 5, eh ben, il y aura le choix entre soit du matos et le gâteau, soit des vêtements, enfin un vêtement prisme au choix. Normalement, je vais essayer de vous afficher ça à l'écran, pardon. Donc si jamais la prochaine fois c'est toi qui gagne, toi qui regarde cette vidéo, tu pourras choisir ce que tu veux gagner. Ah, bref, on passe tout de suite à la cinquième place de ce classement. À tout de suite. Donc les frères, la cinquième place revient à Swaki qui nous a fait un petit clip en fin de zone. Je vous laisse regarder. Voilà, ça mérite la top 5, le top 5. Voilà, il fait un petit kill. J'ai eu le kill, c'est bon. Il prend un petit poisson, il va récupérer le regen en sortant de la zone. Il y a un mec au-dessus de lui, il craque son shield, il reprend un poisson. Il y a une bonne aille, hein. C'est un CS, je le précise. Il récupère le high là. Il reprend un poisson, les poissons c'est trop fort, je le dirai jamais assez. Moi j'affiche, moi j'affiche. Ça va, il est en solo contre 4 personnes. Ok, descends, Il y a descends. le high, il est plutôt bien. C'est du 2v2v1. Tu peux tamponner en haut, t'as du build. Descends encore un peu. Ouais, il est large bien, Sinon ça c'est free top 1 ça. Mets un mec blanc. Il Tranquille, met dans le blanc tranquille, plutôt. tranquille. Non, descends pas. Bien joué. Il met des balles un peu partout, ça va, il maintient la pression. Là il voit un mec dans la zone, il met 66. C'est clean. Là il met une balle de... Moi j'aurais tiré à l'air mais bon il prend le kill malheureusement, bien heureusement plutôt. Mais j'aurais tiré à l'air pour 1v1. être sûr parce que le space 12 à cette distance en oscope c'est pas fou. 1v2. 1v2 là hein. Ils sont pas ensemble. 1v2 mais ils sont pas ensemble. Et voilà je pense que ouais. Logiquement il va faire le kill. Ça va. Propre, 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 propre. GG à toi frère. Et bien évidemment, j'avais oublié de préciser, les chaînes seront en description. Enfin je vais essayer du moins. Bon les mecs, on se retrouve à la quatrième place de ce classement. Le titre c'est Mon Trickshot pour Srambad. C'est MLT qui a fait le clip, donc je vous laisse regarder. On découvre en même temps, j'ai pas vu. Ouais, ça pue le... Ouais, on faisait ça en saison 3, je me rappelle. Ouais, inévitable. Hein. 104. 104 mètres le noscope propre. C'est à la carabine, mais bon. Il y a la petite manipulation avec la danse, etc. Là, il bouge même plus, c'est sûr, il doit avoir une réaction de malade. Ça va, la quatrième place, elle est méritée, elle est méritée. On a la troisième place de ce classement les mecs et c'est... Attendez 2 secondes, j'ai oublié le blaze. C'est Hazard Grizzly qui nous fait un clip au snipe visiblement. Mais pourquoi ça va pas le faire? Je vais baisser le son. Mais ouais, ça doit être un truc en overboard. T'es prêt? Let's go? Let's go ou pas let's go? Let's go? Attends, casse le chapeau, casse le chapeau. Oh le vieil écho qu'il y avait sur la play avant. Vas-y, casse le chapeau, vas-y, vas-y, vas-y. Ah le bâtard. Oh let's go! Oh my fucking god! No way! Let's fucking go! Oh my god! C'est clean, c'est clean, c'est clean, c'est clean. Attendez, parce qu'il y a un flash cop en fait. C'est ça que j'ai kiffé. Il y a flash cop d'un coup, il n'y a pas commencé à biser longtemps et suivre le mec qui est. C'est ça que j'ai kiffé. Bon, en vrai, si ça m'a été donné dans ce sort, c'est que voilà, ça se vaut. Donc il mérite largement cette troisième place. Donc GG à toi, frère.
Attendez, c'est quoi son nom? J'oublie trop mon nom. Là, c'est incroyable. Attendez, déjà, je vais mettre un like. Et c'est Takeo Makasi qui est à la deuxième place de ce classement. Il va nous faire une Elite Asko, je sens. Ouais, il va écraser un mec. C'est trop, c'est sûr. Mais ce genre de clip, la proba elle est tellement peu élevée que ça rend le truc insane. Donc n'importe qui récrée un... Ouais, c'était sûr. N'importe qui enregistre s'il fait un clip pareil. En vrai, deuxième place méritée, je trouve. Hein. Mais bon, est-ce que tu t'as vu ce qui vient de se passer? Je suis mort. Putain, mais attendez. Il y a un truc qui m'a retenu. Regardez la map. Elle vous manque pas, sérieusement? Ça vous manque pas, ce jeu, sérieusement? Non, vraiment. C'est la deuxième place, il la mérite pour le kill et aussi pour le décor à l'époque où le jeu était insane. Vraiment, j'ai hâte, frère. Bon, pour la première place, je le rappelle, en fait, lui, il était top 3, mais vu que les deux premiers clips, enfin, le top 1 et le top 2, ils étaient sur Twitter, j'ai dû donner la première place à Lou Boys parce que je vous ai dit, il faut un clip bien upload sur YouTube en bonne qualité, etc. Sur Twitter, c'était tout pixelisé. Donc, Osiris Lou Boys récupère la première place. C'est un top 1 en solo cash cup. No build. Là, vous allez voir, il y a du build, mais sa rotation, elle va lui faire cramer tout son build. Et c'est ça dans ce jeu qui lui manque des moyens de rota, du genre tremplin, etc. Donc, il réussit quand même à faire le top 1. Donc, bon, on va regarder du coup. Il va move avec la zone, logique. Il y a un ghost stuff, hein, par contre. Hein. Il y a un god stuff. Ah, il prend des tics de zone bêtement, c'est dommage. Personnellement, moi, je serais parti vers le bas. Hein, histoire de niquer le moins de build possible. Mais au final, il fait top 1, donc j'ai rien à dire au clip en vrai. Je suis pas un coach ou quoi. S'il fait top 1, c'est que c'était lui le meilleur joueur de la game. Donc rien à dire. Et après, dans la précipitation, tu fais beaucoup d'erreurs. Hein, je fais le mec, mais on est tous pareils. Hein. Garder son sang-froid et tout, c'est pas évident. Voilà, il prend un kill. Cleanax. Là, il nique le high avec le rocket. Il met un beau laser. Bon, il récupère pas le kill, mais bon, il prend les stuff. Ça, c'est cool. Il y a plus de balles dans la PM. Il rate la balle de pompe. T'as le reset CS, c'est incroyable. Le reset molette, je crois que c'est... Je m'y connais pas bien. Mais il y a instant en CS, le reset. Il est incroyable. Vous parlez de l'aim assist, mais vous aussi vous avez des avantages de fou. Hein. Voilà, il met une balle. Il craque le shield et il récupère le high. Ça va, c'est clean. Il met une balle à blanc. Enfin, une balle dans le blanc plutôt. Il réussit à se rattraper. Le mec de la zone, il meurt. Donc ça va, il prend la régène. Il prend 50 HP. Bon, là, c'est un 1v1, je pense. Ah non, non, non. C'est un 1v1v1. Donc là, il se fait voler le kill. Malheureusement, il se fait KS. Ah, en solo cache comme ça, doit faire mal au cœur. Hein. Ok, un fail de roquette et prend le kill. Ouais, GG à toi. C'est clean, je trouve que c'est clean. GG frère. Je crois que j'ai mis un like à tout le monde. Bon, les chaînes encore une fois, elles seront en description. Bon les mecs, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si toi, t'as regardé cette vidéo et t'as vu que les clips, ils étaient pas ouf, donc je t'invite à m'envoyer un clip au lieu d'écrire dans les commentaires « Ouais, les mecs, ils sont nuls ». C'est quoi? Envoie ton clip et si t'es plus fort que, bah tu passeras à 100% dans le prochain top. Je précise, le prochain top, le gagnant pourra gagner soit un matériel Elgato ou un vêtement Prism. Je vous rappelle en vif, faut upload son clip sur YouTube pour que ce soit en bonne qualité. Si c'est sur Twitter, je prends pas. Si c'est sur Instagram, je prends pas. Le créatif, c'est banni, je ne prends pas. Faut que ça se passe en vrai game. Et même si votre clip, il date de la saison 1, si il vaut le coup, il passera dans le top. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne ou une très bonne soirée ou journée. Ça dépend l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. C'était Srambad. Je vous invite grandement à mettre mon code créateur Srambad, S-R-V-M-B-A-D. À laisser un like à la vidéo, vous abonner si vous êtes nouveau. Me suivre sur les réseaux Twitter, Instagram, activer la cloche de notification. Et c'est bon, je pense que c'est tout. J'arrête de faire le gratteur. Je vous dis à la prochaine. Ça, c'est le mouvement des youtubeurs, je le fais pas. Vas-y, peace les mecs. Bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont quitté la vidéo, donc je peux le faire en paix. Histoire de gratter les 10 minutes, je vous rappelle que j'ai bientôt 20 000 abonnés sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow, Prism Srambad.
Sur Twitch, je sais même pas j'ai combien d'abonnés, mais je fais des lives, on est quasiment 1000 à chaque fois. Donc n'hésite pas à me follow, c'est Srambad avec un tiré du bas. Et bien évidemment Instagram, là où je poste tous les jours des trucs, je vais avoir les 70 000 abonnés. Donc c'est Prism tiré du bas Srambad. Un grand merci à ceux qui auront follow. Et je vous dis enfin à plus. Vive les 10 minutes.